Je travaille dans le cadre de la sensibilisation des populations riveraines de l'aire protégée, le parc national de Zalakopoua. Ces derniers temps, nous avons été endeuillés par l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ils semblent ne pas connaître l'origine de cette maladie. Ce que nous faisons, c'est la marche à pied. Donc nous partons de village en village en faisant le portage. Nous marchons à des vingtaines de kilomètres tous les deux jours pour partir de village en village. C'est pour la première fois que les gens reçoivent une délégation de cette envergure. Et donc la réception est beaucoup un peu mitigée par le fait qu'ils ont peur. D'aucuns croient que lorsque nous venons projeter des films, que nous sommes en train de vouloir introduire cette maladie dans cette contrée. Eric Kinzonzi. Eric Kinzonzi. Eric Kinzonzi. Na salaka na nazali mulakisi na musalo babengi. Mais or, il s'avère que cette maladie ne peut pas sortir d'un film, mais c'est les populations qui vont prendre les animaux trouvés morts en forêt et qui amènent dans le village pour vendre ou bien pour manger. Et c'est à partir de cela que la maladie sévit et la maladie s'épanouit. Avant de visionner les films, nous arrivons au village. Nous contactons le comité du village pour une réunion de concertation. Au départ, quand l'on arrive, il y a un peu de controverse. Mais dès qu'on projette le film, dès qu'on se met à discuter avec la population, ils éprouvent un grand intérêt parce qu'ils arrivent à comprendre le bien fondé du message que nous leur apportons. Vraiment, Nabamboko, l'expérience était. C'était bon. Hein, c'était bon. Partage Zaraki Sera. Et après, d'être aussi de Sawa. De Tamboli Namakolo. De Kenamboka Moussousou. Si. Là, la boucle nous bima là et tout. Bayako lia moninga wana. Soki baliye nani fièvre wa yango etake yete. Bo, yo koko bomaye na mundoki, oyi na mboka. Les gens voyaient seulement les voitures passer directement dans les districts concernés, c'est-à-dire à Itumbi, Kelembomo. Mais les populations qui étaient en périphérie de ces districts-là n'ont jamais su que cette maladie est d'origine microbienne. Eux, ils disaient que c'est une maladie qui est d'origine fétichiste. C'est de la sorcellerie. Si nous voyons le singe est mort dans la forêt, on ne peut pas le ramasser. Exemple ici, dans le village des Soura, nous étions venus pour deux jours. Mais les gens veulent qu'on puisse continuer à projeter le film afin qu'ils puissent comprendre correctement le message. Je venais de dire ceci, que je venais de vous poser des questions qui consistaient à savoir pourquoi il est dit que les grands singes sont comme nous. Vous avez répondu à certaines questions.
les grands singes, tels que les gorilles, les chimpanzés, sont-ils comme les personnes? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mains, les faces, les pieds comme pour nous. Est-ce que les grands singes sont-ils importants pour nous? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils plantent des fruits. Merci. Mais lorsque nous projetons les films, les gens disent que oui, vous nous demandez de conserver. Mais en contrepartie, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que nous, la seule activité génératrice de revenus que nous avons ici, c'est la chasse. Mais vous, vous nous conseillez de réglementer la chasse, de respecter les règles de la chasse. Mais si nous respectons cela, comment allons-nous nourrir nos familles? Est-ce que bino kopé ça fait chance na bana na bino o bazali ko botamate ba yakokuta ba gori? Maintenant, na tango akala ba koko na biso bazala ko sala ndenge nini pour que ba gori bazala toujours en vie na kati ya Zamba? Est-ce que bango bazala ko lia ka bango te? Bango bazala ko lia ka bango, mais bazala ki ko massacrer le ko la biso tozali ko massacrer maintenant te. Hein? Gori moko ba koko bomango pona ko leisa mboka tout. Mais biso wana mboka ye komi yo lelo bomi gori. Papa a bomi gori, ne le kolo kuna ba bomi gori. Vous savez que notre département a été endeuillé par une maladie nommée la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les films parlent mieux que ce que je suis en train de vous dire. Donc tous ensemble, nous allons visualiser ce film pour essayer de comprendre le message que nous apporte UNICEF à travers ce film que nous allons observer. En principe, namo sala ya bagori obisoto inisieke. On a maman va voter son nombre de 10. Maintenant, on a le bar, petit calibre de son bon, j'ai une sœur là, quelque part en Ailanga. Il y a un petit frère là-bas, comme à Tambo la canne et moi à Kilikili, donc il est absent. Celui-là maintenant sur place parce que bateau, tout ce qu'il y a à terre, il ne peut pas vivre. Bon, mais puisque il est là au Bango, Bazali, Missou, Bali absent, absente aussi, la basse n'a mis Bali. Et plus, va abandonner Bana parce que. Maintenant, on entre Bango et ça va passer, ça va me balayer le lobe à les sauter. Bati qui bana. Donc, ces informations vont nous aider à comprendre pourquoi on préserve les animaux, pourquoi on les garde, pourquoi on crée des parcs. Nous le faisons dans le but de vous informer. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, mais qui n'ont jamais vu le gorille, qui n'ont jamais vu le chimpanzé, qui n'ont jamais vu l'éléphant. Il y a eu la recrudescence d'une maladie qu'on appelle la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour éviter le virus Ebola,
on doit éviter de toucher les personnes mortes par le virus, éviter de manger les animaux contaminés. Quand j'ai retenu comment est-ce que je fais la contamination du virus Ebola, c'est par en touchant les animaux morts et une personne qui est atteinte d'Ebola, en le touchant, tu peux l'attraper. Mais, et aussi ce qu'on nous a dit, qu'il faut éviter de tuer ces animaux parce qu'ils peuvent nous apporter une façon de guérison. On peut être contaminé en touchant les animaux morts ou en mangeant la viande des animaux déjà contractés par l'épidémie, en touchant également ceux qui sont déjà morts à cause de l'épidémie.